deux ans de commandement d'une équipe aussi fantastique. J'ai vu des soldats à l'entraînement, j'ai vu des soldats performer sur nombreuses concentrations de patrouilles ou autres. J'ai des excellents souvenirs de soldats qui, dans une tranchée, m'expliquent leurs arcs de tir, la portée de leurs armes, l'état de préparation. J'ai vu des soldats sur un canon m'expliquer ce qu'ils font, alors que je suis artilleur, m'ont expliqué ce qu'ils font dans le détail. J'ai vu des gens de tous les métiers m'expliquer leur job avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intérêt, beaucoup de professionnalisme. Puis ce que je retiens de ça, c'est qu'on les a bien entraînés. Moi, oui, mais tous les chefs de notre organisation, de notre institution, ont bien entraîné nos soldats, hommes, femmes, peu importe le grade, pour faire leur travail. Puis ça, c'est réconfortant quand on les voit en action. Général, je vous remets le commandement du 5e groupe brigade mécanisée du Canada. Merci. Je te remets le commandement du 5e groupe brigade mécanisée du Canada. Prends bien soin de toi. C'est avec beaucoup de gratitude que j'ai pris cette parade. Je prends cette formation dans laquelle je retrouve des soldats, des hommes et des femmes exceptionnels, des soldats, des hommes et des femmes avec qui j'ai grandi comme officier, que j'ai servi comme lieutenant, comme major, comme lieutenant-colonel, et revoir ces visages connus qui aussi continuent à progresser me remplit d'une gratitude profonde de l'opportunité que je vais avoir. Trois hurrahs pour le plus jeune général de l'armée de terre du Canada, le général